raconte nos personnes. Je m'appelle Bendikwa Marcel. C'est un témoignage de guérison que j'aimerais vous rendre. Dans cette période difficile, il est arrivé un moment où j'ai commencé à sentir beaucoup de douleurs du côté gauche, que ce soit au niveau des bras, du bras gauche ou de la jambe et tout. Et ça a commencé doucement et un moment, ça s'est empiré à tel point qu'il m'était difficile de marcher. Par le passé, avant que je ne vienne ici, j'avais eu à peu près ces mêmes symptômes. Et comme je ne savais pas, j'ai laissé traîner. Et alors que c'était une crise cardiaque qui était en train de se déclencher. Et le moment où ça arrivait à son paroxysme, c'est-à-dire quand c'était grave, heureusement que ma femme a été vigilante. Et puis elle m'a conduit rapidement à l'Institut de cardio, où j'ai fait plus de 10 jours aux soins intensifs. Donc quand ça a commencé, j'ai attendu un peu, et un moment, vraiment, ça n'allait pas. Alors je me suis dit, c'était un lundi, je me suis dit, mardi, il faut que j'aille voir le médecin, il faut que j'aille aux urgences. Mais avant de le faire, j'ai pris soin d'appeler les parents. Et au téléphone, papa a prié, et juste après, il m'a donné une directive. J'ai fait la directive, j'étais assis, moins de 5 minutes, tout le mal que je ressentais du côté gauche, tout est parti. Amen. Amen. Oh, acclame bien. Bon, il y a longtemps, je suis ici, je vois ce que le Seigneur fait au travers des témoignages, mais j'étais surpris. Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre que le Seigneur agisse de notre façon. Et c'est pour cette raison que ce matin, je suis venu pour lui dire merci, demander qu'il bénisse moi je bénis les parents, demander qu'il les élève, et puis dire à toute l'assemblée que le Seigneur agit. Il entend les prières de son serviteur et que toute la gloire lui revienne. Voilà, mon Dieu. Amen.